Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Duty Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Alors aujourd'hui on va tester la dernière fois on avait testé le rendement du broyage et du rouleau hein, qui bug. Qui du coup on n'a même pas environ 2% de rendement avec les deux hein. Du coup là on va tester le rendement des abeilles avec le colza. Alors on va voir, normalement c'est environ 10% hein, les abeilles. Alors là on a un champ hein, on fera pareil pour l'autre, 100% fertilisé, c'est parti. Ça va aller vite hein. Voilà comme ça j'ai déjà fait à la brosse, comme ça on va direct au fond des choses. C'est parti mon kiki. Moi je désactive hein, tout ce qui est labo, tout ça et tout, de toute façon on est juste là pour test ça. J'ai vraiment pris un des plus petits champs hein. Mais ça c'est idéal quand tu commences de zéro, vraiment avec du petit matos, avoir des petits champs comme ça c'est idéal. C'est avoir un long champ, quand on fait des petits matos, t'as l'impression que tu termines jamais. Bon, oui, c'est sûr que tu fais moins, mais voilà quoi. On va mettre un coup de mitre. Ouais, 2000. N'hésitez pas hein, s'il y a des autres choses que vous aimeriez bien que je teste, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Hein. Voilà, du coup 19 072. Ok. Du coup, on devrait avoir 197 litres de plus à la prochaine. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Hop, non, 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 oui. Allez. Ah, on a du bon matos. Hein. Et nickel. Et ben nous on va aller s'occuper de mettre notre nos abeilles. Animaux. Abeilles. On va prendre la plus grosse à 19 000. Faut que ça soit à 120 mètres. Hein. Elles sont placées dans un 100. C'est un peu plus d'étage de jeter les places séparément. Sur certaines cultures. Bon, il y avait les. Bah, le colza, je crois qu'il y avait aussi les pommes de terre où ça marche. Et après, il y a un autre truc. Un troisième, mais je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais what? Et ça a déjà poussé? Je crois qu'en fois 1. Hein? Quoi? Non mais je sais pas, ouais, what? Il s'est passé quoi là? On va le mettre là. Tac, hein. Ça suffit là. Tac, je sais pas au cas où je place quand même ça. Hop. Mais ouais, what? Hein? Et pourquoi ça va pousser déjà? Bon, tant que c'est pas fané à la prochaine récolte. Mais non! D'accord, c'est comme ça quand on joue pas en mode saison? J'ai enlevé le mode saison ou quoi? Quand t'es en mode hors saison, ça pousse aussi vite que ça? Non, mais là, c'est hallucinant. Là. Genre, ça va pas me planter que ça pousse. Aïe aïe aïe. Je
te bloque. Cogno. Allez, on se retrouve quand c'est poussé, quand c'est récolté, voilà, ça ira très vite la vidéo. Allez hop, à tout de suite. Et non, voilà, c'est poussé, c'est parti mon kiki. Verdict. Peut-être aller là-haut, bah. C'est peut-être mieux. Peut-être mieux l'avancer, quoi. Ça serait bien. On devrait, normalement, si on obtient 10% en plus, ça nous ferait de 200, 2169,2. On met pas les virgules. On va se faire arnaquer. Allez, j'espère qu'il y a au moins un truc qui marche dans les trucs de rendement. Bien que les rouleaux et le broyeur ça marche pas. Ouais, parfois, j'espère que. Ouais, ce qu'avait dit Papy Tracteur du poteau, ça serait avant. Ça serait en décembre, mais bon. C'est fin décembre. Ouais, c'est clair que là, ça commence à faire un peu long. Quoi. Au début, c'était pas des rendements, mais maintenant. Il y a quand même que ça s'active, quoi. Sur le verdict final. Rien du tout, rien, rien, il n'y a pas les 10%, il n'y a pas de rendement supplémentaire. Voilà, verdict final, on a récolté 30. 30, 50 litres de plus, donc c'est complètement faussé. On aurait dû être dans les 2100 et quelques. Ouais. Bon, bah, c'est tous des tests qu'il faudra refaire après l'hommage hein, pour voir si tout ça c'est bon, quoi. Ouais. Alors, regardez hein, l'autre, on va y aller dedans. Hein. Très bien. Ou alors c'est du. On gagne. Pas 10%, on gagne pareil, hein, 2,5%. Voilà en fait, tous les trucs de rendement c'est 2,5% en plus. Après tu me diras, les abeilles c'est pas grave, contrairement au rouleau et au broyeur, t'as pas besoin de les passer donc déjà tu perds pas ton temps. Voilà. Mais voilà quoi. Voilà. Voilà. Pour 50 litres, 20 000 balles, on achète ça. Le temps que ça rentabilise. Bon, il y a les palettes de miel, mais bon, bah, le miel ça rapporte pas. Hein. Le miel, je vous conseille de le stocker, le miel, de le mettre de côté, parce que de toute façon ça se vend pas cher. Donc, je vous conseille de mettre vos palettes de miel de côté dans un hangar, dans quelque chose, et vous les gardez plus tard pour quand vous aurez une usine, soit de céréales pour faire des céréales. Soit je crois qu'il y en a aussi besoin peut-être pour les gâteaux, mais voilà, vous le gardez pour l'usine, ça sera largement plus rentable de le transformer. Ça sera plus rentable. Et ben voilà pour ce qui était des ruches, et puis ben super. Bon bah ben, allez, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye.